Maître Aude Grigny. Bon, aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi je suis Badium de Booba. Vous aimez ça, vous voulez les coulisses. Oui! Donc, asseyez-vous, préparez vos popcorns, votre sipine, vos biscuits, votre coulance. Ouvrez grand vos oreilles. Bon, c'était en 2019, je crois, par là, ouais. Maintenant, OKLM, B2O, il me sollicite pour que je travaille dans OKLM. J'analyse le bail. Chacal, B2O, moi, je l'écoute depuis petit. Je respecte la carrière du Boug, musicalement parlant, businessment parlant. Je me suis dit, ah ouais, quel honneur. Ça fait zirpler. Donc, j'accepte. Donc, maintenant, lui et moi, on est connectés sur WhatsApp Zer. On échange beaucoup, on se voit même. C'était fluide. C'était soi-disant mon Boug, soi-disant. Vous le voyez, de toute façon, dans mes stories, quelquefois. Soudain, je vois, je suis dans la sauce. Zut! Sur Twitter Zer. Je dis, ah! Maintenant, je vois B2O, il cautionne le bail. J'ai dit, ah, le bâtard. Traître, Judas. Il cautionne lourd. Parce qu'il met les bails dans son Insta Story, Loulboug. T'es soi-disant mon Boug. On est branché. Tu m'appelles. Ouais, play. Ouais, Moret. Ouais, qu'est-ce que je vois là sur Internet et tout. Ouais. Mais toi, non, Ziak, tu mets le bail dans ta story et Ziak, tu sors un son. Et puis tu me chouffes. J'ai dit, oui. Et il sort un son, il m'envoie un pic sur l'histoire de la sauce. Donc il cautionne les bêtises de la typère Badro, là. J'ai dit, ah, lui, c'est un surfeur. Lui, chez lui, il y a une planche. Il surfe sur tous les buzz. Surfeur du net, il surfe lourd.